Bonjour tout le monde. Au programme aujourd'hui, le Brésil, son soleil brûlant, ses plages, ses opérations de chirurgie esthétique et son doom post-rock shoegaze. Je vous présente Isorian, trois garçons, deux filles et plein de possibilités qui sortaient leur premier album Chain of Blue en 2020 et qui reviennent cette année avec 6 titres sous le nom Deep Sleep Metaphysics. Je dois encore cette brillante découverte à Kamen Riff qui relaye un nombre incalculable de sorties sur Twitter. Des explorations souvent musclées dans lesquelles se glissent parfois des choses acceptables pour mes oreilles délicates. La pochette bleutée de l'EP n'a pas été étrangère à mon coup de cœur. Je suis très attaché au visuel et celui-ci, réalisé par Georges Rabello, est particulièrement réussi. C'est un assemblage d'images, bustes de prêtres, crânes, serpents, racines, papillons, fumées, qui sur un fond étoilé forment l'inquiétant personnage de la mort. Malgré un peu de growl et son étiquette doom, Isorian se révèle très mélodique, en partie grâce au chant féminin. Deep Sleep Metaphysics ne dure que 36 minutes pour 6 morceaux, dont un est décliné en deux versions. Autant dire que ça s'écoute très très vite. Alida, présent en deux versions dans cet album, est très cinématique post-rock avec son enregistrement audio façon reportage TV, alors que For Hypnose donne dans le psychédélique doomesque. The Dream to End All Dreams est un instrumental, lui aussi cinématique, qui colle parfaitement la BO d'Interstellar avec ses trois notes de piano solitaires. Autumn Eyes revient au doom psyché, chant et growl. Mais le chant féminin semble avoir été enregistré d'étranges manières. Il est très atténué, comme s'il avait été capturé dans de mauvaises conditions techniques lors d'un live. Étrange. L'EP se poursuit avec Hurt and Roads, un nouveau morceau cinématique post-rock avec un peu de chant et s'achève avec le remix du premier titre Alida, signé Muriel Curie, une version plus longue de 7 secondes qui n'apporte pas grand-chose au final. Les titres cinématiques Alida, The Dreams to End All Dreams me font beaucoup penser au travail du compositeur Hans Zimmer à qui l'on doit la BO du film Interstellar. Certainement une des raisons qui m'ont fait craquer pour cette EP d'Isorian. Le groupe me donne l'impression de se chercher encore, d'être en plein devenir, surtout lorsqu'on en écoute leur premier album, Chains of Blue, enregistré dans l'urgence en 6 jours seulement. Deep Sleep Metaphysics est prometteur. Alors, attendons de voir ce que le groupe sera capable de nous proposer dans le futur, ça peut être intéressant. Lundi prochain, je vous parlerai d'une valeur sûre du métal progressif. D'ici là, soyez sages. Bisous.